vous êtes vigneron et vous en avez marre d'être en galère, coincé entre les charges et les contraintes. On arrive au bout, hein, de toute façon. Souvent, je dis que pour tordre une barre de fer, on doit la chauffer à blanc. Et c'est vrai que ces dernières années, je ne veux pas parler des derniers millésimes, mais c'est vrai que les professionnels du vin ont été chauffés à rouge et même à blanc. Oui, on ne va pas évoquer la météo, hein, on ne va pas évoquer les jeux, enfin bref, on n'en parle pas. On ne va même pas évoquer les contraintes administratives et les charges toujours exponentielles. Par contre, ce que je veux évoquer rapidement, c'est le manque de communication vers les consommateurs finaux, vers vos clients finaux, qui est lié au flou de la loi E20. Et ce qui a été un frein, qui a été des freins énormes à la construction d'images de marque et de liens vers les clients finaux de vos vins. Aujourd'hui, les choses bougent et on est là pour aider ceux qui se bougent aussi. Et donc, j'adore cet effet de vase communicant. C'est mon père qui me l'a appris et qui me l'a enseigné. Je l'observe chaque jour un peu plus. Et en fait, vous savez, les vases communicants, c'est quand ça va trop loin dans un sens, ben, le balancier ramène les choses dans l'autre sens. Et on nous a tellement brimés comme ça dans le vin, on nous a tellement muselés que maintenant, ça revient dans l'autre sens. Et il y a des success stories incroyables, des signatures premium énormes à créer quand aujourd'hui. Donc si vous voulez en faire partie, si vous avez vous aussi cette intuition, si vous le ressentez aussi, et c'est maintenant que ça peut changer pour vous, c'est maintenant que vous pouvez mieux utiliser vos acquis et faire tourner les choses en votre faveur, eh bien je suis là avec mes équipes pour vous aider. Donc il m'est impossible d'aider tout le monde, c'est pour ça que je dis on va d'abord aider ceux qui se bougent. Personnellement, j'accompagne 30 à 50 vignerons PME par an, et pour ce faire, j'ai constitué le club des vignerons de talent dans lequel vous pouvez vous inscrire maintenant sous cette vidéo. Il y a le lien d'inscription, vous remplissez le formulaire d'adhésion, c'est gratuit, vous recevez un cadeau, c'est gratuit, et petit à petit comme ça, vous vous familiarisez avec ce nouvel état d'esprit, avec ces solutions. Et vous pouvez également partager cette vidéo à d'autres vignerons, d'autres appellations, pour qu'ils puissent avoir cette chance aussi et avancer avec vous. C'est toujours bien quand on relève le challenge à plusieurs, il y a plus d'émulation. Maintenant, j'ai une question pour vous pour finir cette vidéo. Quel est le prix moyen idéal de vos vins, celui qui vous fait rêver pour changer la situation, pour respirer et vivre confortablement de votre métier? Notez-le moi en commentaire. À très vite. Cheers.